Je viens de trouver un blocos qui n'est pas répertorié, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Il n'est pas répertorié sur les sites de référence dont je me sers d'habitude. Et alors c'est assez intéressant du coup de découvrir ce blocos qui apparemment n'est pas connu. Regardez, il est complètement inachevé et encore regardez, ils ont mis des sacs de ciment. Il y a des sacs de ciment, vous voyez, ils ont durci avec le temps, c'est des sacs de ciment en fait. Ils ont mis ça en espèce d'accès au blocos. Donc là vous avez la porte d'entrée du blocos qui n'a jamais été équipée de sa porte, sa ventilation inexistante. Et je rentre à l'intérieur de ce blocus. On a une échelle qui n'est sûrement pas d'époque. On a encore des blocs, regardez, encore des blocs de sacs de ciment là qui traînent. Et on a un seul créneau. Il est équipé de son blindage. C'est un créneau pour équiper entièrement sa trémie. Hein. Un blindage, c'est un créneau pour mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914. Donc c'est un petit bloc pour armes d'infanterie. Assez brut de décoffrage, il n'y a pas de porte en tout cas. Voilà pour cette petite découverte. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres découvertes.